Salut tout le monde, aujourd'hui ça va être une vidéo un petit peu spéciale, ça va être une vidéo un petit peu d'explication pour l'avenir de la chaîne, les explications pourquoi il y avait moins de vidéos pendant très longtemps. Bon, j'en ai posté un petit peu, mais c'est vrai que j'étais moins présent, vous expliquer un petit peu pour l'avenir de la chaîne. Est-ce que la chaîne va vraiment s'arrêter? Est-ce que la chaîne va vraiment définitivement être fermée? Est-ce qu'il y aura toujours des vidéos? Qu'est-ce que French Reptile va faire? Est-ce qu'il va continuer la Terrario? Est-ce qu'il va tous les vendre? Est-ce qu'il va tous les abandonner? Tout ça, je vais vous en parler donc dans cette vidéo parce que c'est une vidéo que je prépare un petit peu là, depuis 2-3 mois, même bien avant. Donc, du coup, voilà. Alors, je vous avais prévenu, je vous l'ai dit très régulièrement donc, dans l'onglet communauté. Que sûrement la chaîne va s'arrêter. Je sais qu'il y en a beaucoup qui sont un petit peu tristes que la chaîne s'arrête, qu'il y en a beaucoup qui m'ont suivi. Je vous comprends, et moi aussi quand j'ai suivi des chaînes et que la chaîne s'arrête, bah on est triste parce que bon, on ne voit plus la personne vraiment, on voit plus, on n'a plus ce petit truc de train-train de vie qu'on sait que le lundi, le mercredi ou le vendredi à 18h ça sort, ça va s'arrêter. Tout ça, je vais vous l'expliquer sincèrement pourquoi il y a différentes raisons, c'est pas pour les réseaux, c'est pas du tout sur YouTube, je m'en fous, mais alors un point total. Vous savez comment je fonctionne, je dis, cache les choses, je m'en tape en fait, donc la vidéo tournera, on va en manipuler quelques-uns, comme ça je ferai le tour un petit peu de certains. Donc la chaîne, elle a démarré déjà en 2019 de mémoire, voilà, elle a plutôt augmenté lentement, et puis après il y a certaines vidéos qui ont très 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 bien marché, il y en a encore que je vois sur les statistiques. Augmente même plutôt très bien. Il y en a que j'en ai fait 1004, 1000 vues, 900, 500. Déjà, je suis très content quand ça atteint 500 vues, 300 vues. Je demande pas, vous voyez, je demande pas de cartonner en fait sur YouTube. Je demande juste de montrer ma passion, ce que je fais moi, mes opinions, mes avis. Voilà, ce que je montre sur YouTube, je m'en fous. Mais alors, après, un point total. Je vous montre ce que je fais. Comme je vous avais dit, pourquoi je me suis lancé sur YouTube. À la base, c'était pour montrer ma passion. À la base, c'est pour montrer ce que je fais moi. Les espèces que j'ai, mes conseils, vous montrer des espèces qu'on ne vous montre pas forcément, parler des sujets des fois qui sont tabous ou qu'on ne parle pas beaucoup. Voilà, donc j'ai été très 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 content de faire ça sur YouTube. Alors là, quand la vidéo sort, la chaîne ne s'arrête pas officiellement tout de suite, mais elle va s'arrêter. Pourquoi? Bah parce qu'il y a différentes raisons. Bon, déjà quand j'ai eu le Covid, c'est vrai que mon rythme s'est complètement arrêté, complet, parce que je l'ai eu très très fort, j'ai eu des insuffisances respiratoires, j'étais complètement pas bien. Je l'ai pas eu comme tout le monde. Et voilà, c'est pour fêter la fin de la chaîne. Mais en tout cas, non, depuis que j'ai eu le Covid, j'ai eu moins l'envie de continuer les vidéos, j'ai eu moins l'envie d'aller sur YouTube. Bon, je regarde d'autres vidéos, mais c'est vrai que je réponds pas forcément aux commentaires. Je vois vos commentaires, mais des fois je pense pas à répondre. Et puis j'ai une autre vie à côté, j'ai une vie qui est assez prenante. J'ai pas un train de vie comme tout le monde. Je bouge quand même, je suis déjà quelqu'un qui bouge beaucoup, qui fait énormément de choses. Dès que je me lève, c'est bon, mon rythme, faut plus le compter en heures. J'ai une vie professionnelle, j'ai une vie personnelle, j'ai une vie familiale. Donc tout ça, je pense que les gens le comprendront aussi à un moment. Mais moi, il y a mon tournant aussi qui arrive un petit peu de ma vie professionnelle parce que je travaille donc dans le milieu de la télé, donc dans l'audiovisuel. Donc j'ai pas les mêmes rythmes que tout le monde. Des fois, je peux terminer très tard, comme des fois, je travaille pas pendant plusieurs jours et puis après, je suis appelé à travailler, vous voyez, à l'étranger, et puis à gauche et à droite. Donc c'est ça aussi qui est un petit peu difficile pour moi, mais moi ce que je fais, des fois je tourne 3, 4, 5, 6 vidéos dans la même journée, je vous fais plusieurs sujets comme ça, je suis tranquille. Mais maintenant j'ai moins ce rythme-là, parce que maintenant aussi j'ai fait le tour des vidéos, je vous avais déjà fait une vidéo, j'arrête YouTube ou je sais plus quoi. Ça fait quelques mois déjà que je me tâtonne un peu à chercher des sujets de vidéos, alors j'en ai encore prévu, hein, vous inquiétez pas, mais c'est un peu compliqué, j'en ai pas 156 000. C'est un peu complexe, c'est vrai que je vais parler de l'hydratation, je vais parler des acariens, on va parler des maladies, la mort, des trucs, des biduches, des machins, comment il faudrait faire. Tout ça, à un moment, on tourne autour du pot, je peux pas refaire des versions 2, améliorées, des remakes et reposter des vidéos que j'ai déjà repostées, je pourrais le faire. C'est pas mon but, moi, c'est de vous montrer de certaines choses. Moi, là, officiellement, je reste encore en France pendant quelques temps, mais après je vais partir dans un autre pays pour raisons professionnelles.
Donc du coup, ça va être un peu complexe de vous faire des vidéos. Alors je vais vous faire de temps en temps des vidéos à l'étranger pour vous donner de mes nouvelles. C'est normal parce qu'il y en a beaucoup qui me demandent. Je vous en ferai. Mes animaux resteront en France. Je ne vais pas les vendre. Je ne vais pas m'en séparer. Il y a des gens qui vont s'en occuper. Il y a des gens que je connais qui sont capables de s'en occuper. Donc je me stresse pas pour ça. Mais moi, en tout cas, de continuer ma chaîne pendant 1 an, 2 ans, 3 ans, c'est pas possible. Ou alors, il n'y aura qu'une vidéo tous les temps, et puis voilà. Donc voilà, ça aussi, faut le comprendre aussi. Après, YouTube, c'est très bien, hein. J'ai eu une belle expérience, j'ai rencontré des gens formidables dessus, j'ai fait des connaissances avec des gens que jamais j'aurais pensé connaître, j'ai fait des vidéos avec certains que d'ailleurs, ces personnes-là viendront chez moi, parce que ce qui est normal. Normalement, j'ai d'autres projets, je dis bien du normalement, parce que les gens, vous savez, hein, maintenant, ils vous répondent oui, mais au final, t'as plus de nouvelles. Donc c'est un peu compliqué. Mais j'essaye toujours de vous montrer d'autres choses, toujours, 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 toujours. Normalement, il y a d'autres projets qui doivent arriver. Donc il y a des vidéos à l'étranger qui devraient se faire aussi. Donc ça, c'est sûr et certain. Maintenant, est-ce que la chaîne continuera comme là actuellement? Non. J'ai pas d'études à côté, j'ai pas d'excuses. Entre guillemets, j'ai mon diplôme, je dois réviser ci, ça, ci, ça. Moi, j'ai pas ça. J'ai une vie active, j'ai une vie donc familiale, tout ça. En même temps, pendant qu'on parle, je vais vous sortir donc une Pantherophis gutatus, Pantherophis quadrivitatus rosalini. Alors, on va mettre la vidéo normale parce que j'avais mis en cinématique, donc ça a bugué un peu. Donc voilà, comme ça vous le voyez un peu. Il a plutôt bien évolué. Vous pouvez voir qu'il est un peu plus. Qu'est-ce que t'as? T'es énervé? Oh, bah alors, t'as un sacré caractère, toi. Non, voilà, après, c'est. Je regrette pas du tout d'être sur YouTube. Je regrette pas du tout ce que j'ai fait sur YouTube. Je regrette pas du tout mes façons de faire. Y a rien de tout ça. C'est pas par rapport à ça, en plus, que j'arrête YouTube. Ça me fait un peu chier parce que forcément, qu'il y a une grande communauté maintenant qui arrive. Je crois qu'on est 768 hein, à l'heure que je tourne la vidéo, hein, bien sûr. Voilà, parce que moi, j'ai un d'autres projets derrière. Hein, vous savez. On ne peut pas continuer comme ça très 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 longtemps. Mais voilà, moi personnellement, je serai toujours là sur les réseaux, un peu moins présent. Tu vas te calmer un peu, non? En plus, je vais partir donc à l'étranger pendant un temps certain, au moins 6 mois, 1 an, raison professionnelle. Bon, moi j'ai quelqu'un dans ma vie, hein. Compliqué. Je reviendrai en France, je referai des vidéos ici. Alors sûrement pas ici, là où je suis actuellement, parce que j'ai d'autres projets en plus, des appartements, j'ai tout ça. Donc voilà, c'est un peu complexe en ce moment. C'est pour ça que les vidéos sont un peu moins présentes. J'ai beaucoup de boulot, j'ai beaucoup de trucs à côté. Donc c'est un peu compliqué de faire sa vie professionnelle avec une vie personnelle, une vie familiale, plus les vidéos YouTube, plus les réseaux. C'est très compliqué pour moi de tenir le rythme. Avant j'avais un peu plus le temps, bon bah je rentrais chez moi, j'avais fait mes vidéos et puis je suis content, et puis voilà. Là maintenant, voilà, bon, et puis après on évolue dans l'âge hein, aussi, hein, donc c'est ça aussi qu'il faut se dire, hein. J'ai plus non plus 15 ans, j'ai plus non plus, je suis plus au collège ni au lycée. Voilà, c'est ça aussi que les gens faudrait comprennent. Après, voilà, vous allez toujours voir des nouvelles d'eux. Après, des personnes vont aller s'en occuper. Donc voilà, pourquoi j'arrête YouTube, un peu entre guillemets. Hein. Maintenant, après, je peux pas trouver des sujets comme ça, refaire des sujets. J'en ai pas 156 000. J'avais des projets effectivement d'avoir d'autres individus, mais là, je laisse un petit peu à l'eau. Parce que bah moi je vais partir, donc ça sert à rien que je vais en racheter bêtement pour que je ne sois pas là pour m'en occuper, pour bien vérifier. Donc voilà, c'est pour ça que je vous dis ça. Je vais me lever un peu en même temps parce que j'en ai un peu marre d'être à genoux. Donc voilà, vous pouvez le voir un petit peu. Donc c'est une Pantherophis quadrivitatus rosalini qui est là depuis bah, bientôt 1 an. Donc vous pouvez voir qu'elle a plutôt bien évolué. Il a pris 40 à 30 cm parce qu'il était plus petit, mon pépère. Donc voilà. Voilà un petit peu. Je sais qu'il y en a qui vont être beaucoup déçus. Il y en a qui veulent que je change un peu mes choix. Mais je ne pourrais pas changer mes choix comme vous voulez que je fasse à l'étranger pour aller faire des vidéos que je ne les ai pas. Donc c'est ça qui est un peu compliqué. Donc voilà, pour le moment, la chaîne ne s'arrête pas. Hein, c'est pas la peine de se dire c'est bon, c'est foutu, il y a encore plein de vidéos, vous avez vu qu'il y avait plein de vidéos encore, il y en aura encore des dizaines qui vont arriver, ça se trouve, je serai encore à l'étranger, qu'il y en a qui sortiront, j'en ferai sûrement. Donc voilà, c'était pour vous prévenir un petit peu que la chaîne va diminuer au fur et à mesure du temps.
Donc voilà, donc j'espère que vous comprenez. Voilà, je sais que c'est un peu compliqué d'expliquer ça un petit peu à sa communauté, parce que surtout quand on a plutôt bien augmenté, on est à pratiquement 800. C'est vrai que mon cap, hein, je voulais arriver sur les 1000. On arrive bientôt. Donc voilà, en plus je fais pas ça par la monétisation, même là si j'y arrive presque. Parce que là je l'ai vu qu'il me reste pas beaucoup d'heures pour avoir la monétisation. Ce qui me bloque, c'est les 1000. Bon, en soi, je m'en fous du tout de l'argent, donc c'est pas du tout pour ça que je fais ça. Donc voilà, donc j'espère que vous avez compris un petit peu mes choix, j'espère que vous le comprenez. Après, pour ceux qui se demandent, qui m'ont demandé souvent comment on va faire, si on a des questions à te poser, vous pouvez toujours me les poser sur Insta ou voilà, sur les réseaux, je serai toujours présent, ne vous inquiétez pas. Voilà, donc j'espère que ça t'aura plu, un peu les précisions, là vous allez avoir d'autres vidéos, ne vous inquiétez pas, c'est pas la peine de se désabonner en pensant que c'est fini. Il y en aura encore d'autres, donc voilà. Donc moi je te souhaite une bonne journée et puis à la fois prochaine. Allez, salut!